Bonjour tout le monde. Hello, hello. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? On va déjà commencer par ça. Dites-moi, dites-moi. Alors. Coucou Evelyne, coucou Rachel, hello Crapouillot. Coucou ma petite Cécilia, Héloïse, coucou Sandrine. Evelyne, tout va bien, tu commences tes vacances, c'est génial. Crapouillot, t'as pas de son. Evelyne, je te vois et je t'entends. Bon, Crapouillot, faut que tu fasses ton réglage. Cécilia, tout est ok. Bon, c'est que ça devrait le faire. Oui, alors, mes reines et moi-même, vous souhaitons la bienvenue. Ça a changé un petit peu du bonnet. Bon, ça bouge un peu, hein. Coucou Mumu. Et tu mets sur grand écran? Bah oui, tiens, bah voyons. En géant, super. Magnifique. C'est génial. Coucou ma Laurence. Tu me vois et tu m'entends super bien. Bon, et ben, c'est parfait. Bonjour Gazelle, j'espère que tu vas bien. Bon, bah ça y est, on arrive au dernier live de l'année. Coucou Marotine, comment vas-tu? Jolie, je sais pas. Un petit peu déguisée, ridicule, oui. Jolie, je suis pas sûre. Mais bon, voilà. Hein, j'avais dit que on marquerait le coup pour la dernière de l'année, donc voilà. Terminer les vacances, Gazelle. Ah, bah, je suis bien dommage, bien désolée pour toi. J'espère quand même que tu en as bien profité. Je crois savoir que tu es du genre à voyager pas mal, donc je suis sûre que c'était trop bien. Merci, c'est gentil en tout cas. Voilà. Oui, il y a eu quelques petits changements dans mon atelier. Du coup, voilà, hein, juste 3 planches différentes, plus larges et plus longues. Du coup, j'ai toujours la même pièce, mais j'ai plus d'espace, j'ai un coin où je peux faire mes lives, un coin où je peux scraper, et donc ça veut dire mettre encore plus de bazar. Voilà. Alors, d'abord je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Et que vous passerez une petite heure agréable en tout cas. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires pour me dire que c'est la première fois que vous découvrez la page Harmonyscrap. Je suis Harmonie Marais et je suis démonstratrice pour Stampin' Up depuis janvier 2020. Incroyable, je vais bientôt fêter mes 2 ans, le 3 janvier d'ailleurs, c'était durant la Celebration de janvier 2020. C'est fou comme le temps est passé vite. Cathy, tu es belle ma bichette, c'est normal, t'as 2 trucs au-dessus de la tête. Ouais, t'as vu? Ils sont beaux mes petits rennes, hein? Bah oui, c'est le dernier de l'année, alors bon, voilà, c'était pour rigoler un peu. Merci ma Laurence, c'est gentil. Ça commence bien. Coucou Camille, ça va ma belle? Donc voilà, bientôt 2 ans, hallucinant. D'ailleurs ça me fait penser que la nouvelle Celebration qui va arriver le 4 janvier 2022, elle est juste démentielle, hein. Elle est incroyable. Je vous ai préparé une petite publication d'ailleurs sur le sujet. J'ai fait un petit topo de ce qui va pouvoir vous être proposé. Même si vous voulez rejoindre mon équipe, vous allez voir, incroyable. Incroyable. Oui, j'ai retrouvé ma voix. Coucou Martine. Coucou tout le monde. Alors, si ce petit live vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Ne vous inquiétez pas, on se débarrassera gentiment mais sûrement de ces vilains marabouts qui a priori nous fichent un petit peu la paix, mais c'est ce qui arrive parfois quand on partage, mais bon voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager. Et comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui c'est donc le dernier live de l'année 2021. Et alors je vous l'ai dit, je voulais marquer le coup, donc les petits rennes c'est bien marrant, mais bon, il n'y a pas que ça quand même. Sinon, bon, ça serait un petit peu léger, on est d'accord? Le but c'est aussi de vous faire plaisir et de fêter dignement cette fin d'année. J'ai donc décidé de vous faire un petit cadeau à une personne parmi vous qui sera tirée au sort jeudi soir ou vendredi matin. Coucou ma Fabienne. Le principe il va être très simple. Je vous demande de réaliser donc à votre tour la carte que nous allons faire ensemble cet après-midi là, dans quelques minutes. Donc une carte très simple, hein, j'ai pas choisi évidemment quelque chose d'extrêmement compliqué et long à faire parce que je sais très bien qu'on est tous méga débordés à 2 jours de Noël, on est bien d'accord? Alors, non, Clémence et Lila, alors Clémence elle est chez sa maman et Lily elle traîne un petit peu parce que voilà, elle profite des vacances donc... un petit peu à la bourre aujourd'hui, je crois même qu'elle est encore en pyjama, donc voilà, elle prend son temps. Non, pas toi. Oui, t'es dans le timing toi, moi Cathy, c'est vrai. Oui, moi j'ai emballé tous mes cadeaux vendredi dernier avant que tout le monde soit à la maison. C'est bon, c'est fait. Donc, je vous disais, pour ce petit tirage au sort, je vous demande donc de réaliser la carte que nous allons faire ensemble et... Pour cela, pour être tiré au sort, je vous demande 2 choses. La première, c'est de partager votre création alors sur les réseaux sociaux, soit en dessous du live, en commentaire, soit sur votre page, soit sur votre profil, que ce soit Facebook ou Insta, avec le hashtag Harmonyscrap. Voilà, un petit partage. Je sens le vase, Marutine. Oh, ça y est, il est vexé, crapouillot. Donc ça, c'est la première chose, le partage sur vos réseaux sociaux avec le hashtag Harmonyscrap. Pour que je m'en sorte et que ce soit pas trop compliqué pour le tirage au sort, je vous demande dans un second temps de m'envoyer votre création par mail. Vous en avez l'habitude pour celles et ceux qui font par exemple mes challenges mensuels. Je demande à les recevoir par mail, c'est beaucoup plus facile pour moi de les retrouver et ça m'évite d'oublier des personnes. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que les créations dans ces cas-là doivent absolument m'être envoyées par mail en mettant bien le thème en objet. C'est juste histoire de ne pas vous oublier et puis de ne pas moi passer des heures sur les réseaux, sur la boîte mail, sur Insta, sur Facebook, sur les Messenger, WhatsApp... Et j'en passe pour retrouver vos participations. Ok? Et donc, vous avez jusqu'à jeudi, donc demain, 20 h, pour m'envoyer votre création. Si jamais vous êtes un petit peu labour, je peux pousser jusqu'à vendredi matin. Hein. Mais bon, je pense que le 24, à mon avis, vous allez avoir autre chose à penser. Et la personne qui remportera le tirage au sort se verra offrir la... perforatrice branchette. Vous voyez, elle est toute neuve. Elle est idéale cette petite perfo pour décorer toutes nos créations, quelles que soient les saisons. Voilà, donc c'est le cadeau que je vous offrirai pour cette fin d'année. Voilà, voilà. Donc, je vous rappellerai les règles du jeu à la fin du live, bien sûr, pour celles et ceux qui vont nous rejoindre en cours de route. J'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à inviter vos copines, vos copains à regarder ce live et pourquoi pas à partager et à participer à ce petit jeu de fin d'année pour gagner la perforatrice branchette. Voilà, voilà. Oui, je suis debout, Martine. Marutine, pardon. Oui, je suis debout. Bah oui, je t'ai dit, j'ai un petit peu réaménagé ma petite pièce. Et du coup, mon plan de travail étant plus haut, je peux plus facilement travailler debout et vu mon état actuel, je suis plus à l'aise à être debout. Donc en fait c'est parfait, je suis plus libre de mes mouvements, donc c'est nickel. Voilà, voilà. Bon, maintenant que vous savez tout, ou presque il me semble, nous allons pouvoir commencer le live créatif. Pour info, toutes les personnes qui m'ont demandé le mini-catalogue et la brochure Celebration, tout est parti. Même les 2 dernières inscriptions que j'ai eues là, hier je crois ou avant-hier, vos catalogues sont partis, donc il faut juste être un petit peu patient, vous le savez. En cette période, tous les centres de distribution sont absolument débordés. Ils croulent sous les colis, les envois, les enveloppes et tout ce qui va avec. Et puis en plus, parfois, ils se trompent. Voilà, donc on a des colis qui partent là où ils ne devraient pas partir. Des enveloppes pareilles. Donc pas d'inquiétude, ça va arriver. En tout cas, sachez que de mon côté, je suis à jour, donc tout est parti. Si vous avez envie de recevoir ce mini catalogue et que vous n'avez pas encore de démonstratrice, je peux tout à fait vous l'envoyer. Vous avez le lien pour vous inscrire en haut de la publication, le formulaire à remplir tout simplement. Ça marche ? Non, elle n'est pas là, Cassie, Sandrine. Elle est débordée cet après-midi, mais elle pense très fort à nous. Voilà, voilà. Oui, Mumu, j'ai reçu ton colis, ma bichette, mais il était parti loin. Et pourtant, le code postal était écrit en gros. Il est arrivé là, j'ai pas eu le temps de te le dire. Mais t'inquiète pas, tout va bien. Allez, c'est parti. Hop, je bascule et on va démarrer notre création. Une petite carte toute simple, avec quelques plis, vraiment quelque chose d'hyper rapide, mais qui donne son petit effet quand même. Et puis, l'avantage, c'est qu'elle peut s'adapter à n'importe quelle occasion, c'est ça que j'aime. Ça peut être pour des anniversaires, pour Noël, quelle que soit l'occasion pour laquelle on veut l'utiliser, et ben on peut le faire. Alors, voilà, je vous la montre un peu plus près. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Déjà, rien qu'à l'œil, vous êtes capable de le faire et deviner, hein, on est d'accord? Coucou Laurence! Oui, ne t'inquiète pas ma belle, je sais que t'es crevée, non, profite-en pour te reposer, il n'y a pas de souci. Donc voilà cette petite carte, du coup elle s'ouvre, on peut écrire un petit mot à l'intérieur. Si on n'a pas assez de place, on peut très bien en mettre à l'arrière aussi, ça cachera aussi là, cette partie-là. Coucou Isa! Donc voilà, ici, bah, vous la reconnaîtrez, hein, j'ai travaillé non pas avec Éloquence Simple, mais avec Jardin d'Éden. Je ne le répéterai jamais assez, Jardin d'Éden, si elle vous plaît, dépêchez-vous de faire votre stock parce que début janvier, le papier design disparaît. Vous allez retrouver les sets de tampons et les poinçons, mais le papier design fini. En janvier, ça sera fini. Donc n'hésitez pas à faire votre stock si vraiment ce papier vous plaît, parce que ça serait vraiment dommage de passer à côté. Donc c'est avec celui-ci que j'ai travaillé aujourd'hui. C'est un papier qui est vraiment magnifique, qui est très doux, très élégant, qu'on peut utiliser beaucoup avec du papier doré, auquel on peut aussi ajouter du rouge par exemple. Il peut s'adapter à Noël, mais pour toute autre occasion. Là aujourd'hui, j'ai donc utilisé les poinçons qui sont encerclés d'amitié que j'aime particulièrement. Ils sont vraiment très jolis. Donc à l'arrière, j'ai fait une première découpe dans le papier doré. Le papier blanc par-dessus et j'ai bien sûr embossé, je vais essayer de le mettre un peu plus près, embossé le message avec la poudre à embosser dorée. Vous le savez, hein, je suis fan de la poudre à embosser, j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, ça donne un petit côté un petit peu plus classe. Et puis j'ai rajouté plein de petits gemmes tout autour, des grands ici et des plus petits ici, pour donner encore plus de cachet à cette petite carte. Harmonie va nous faire une chorégraphie après le chant, non? Certainement pas, non? Quand j'étais enfant, ma mère me disait que j'étais souple comme un verre de lampe. Ça vous laisse imaginer un petit peu l'étendue des dégâts. Bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu donc tout à l'heure, je vais travailler avec la collection préférée de ma petite Cathy, qui n'est autre que Éloquence Simple de la page 68, qui elle est dans le catalogue annuel, donc toujours disponible. Incroyable aussi, hein, incroyable aussi. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec elle et je vais utiliser non pas le papier doré que j'ai utilisé ici, parce que vous voyez, je l'ai mis également pour le matage de mon papier, mais avec le papier cuivré, donc de fait avec la poudre à embosser cuivrée aussi. Donc j'ai déjà préparé un maximum de choses pour ne pas vous faire perdre de temps. Si jamais il y en a parmi vous qui ont besoin de conseils pour l'embossage, n'hésitez pas à me contacter. Je vous expliquerai avec grand plaisir. Et puis sinon, dans différents lives, bien sûr, vous retrouverez bien sûr cette technique. Il n'y a aucun problème. Tu me fais rire, Fabienne, avec ta chorégraphie. Non mais je vous jure, l'année dernière c'était le chant et maintenant c'est la choré. On aura tout vu. Vous allez toutes me les faire en fait, hein. C'est ça, hein. Voilà, voilà. Bien. Allez, c'est parti. Je vais prendre mon matériel. Si je mets ça là, ça devrait peut-être le faire. Hop, je prends mon coupe-papier. Voilà. C'est bien d'avoir plus de place, je vous jure, c'est un vrai bonheur. Alors, pour la base de la carte, très simple, il vous faut un morceau de papier uni qui mesure 21 par 6, 21,6 par 14 cm. Heureusement que je les ai écrits et que vous voyez ce que j'ai écrit, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Ok, donc 21,6 par 14 cm pour la base de la carte. On va venir lui faire des petits plis, je vais vous montrer. Ensuite, l'autre morceau de papier uni qui lui va venir ici. C'est le petit rabat supérieur là qu'on va mettre ici. Lui mesure 14 par 7,3. Donc on est vraiment sur le papier uni de base. Pareil, je vais laisser les petites post-it ici pour ma petite marotine. Voilà, c'est assez clair normalement. Sur ces deux morceaux, on va venir faire des plis. Ok? Alors, je me pose la question suivante. Est-ce qu'on commence les plis tout de suite ou est-ce que je vous donne les mesures? Je vois plein de petits pouces qui se promènent, j'adore. C'est qui? C'est Marotine, c'est Héloïse. Vous êtes trop, trop mignonnes. Merci les filles, j'en vois plein partout. Merci ma Cathy. C'est bien parce qu'en fait je vois votre petite tête et ça se transforme en petit cœur ou en petit pouce. C'est trop mignon, j'adore. Martine aussi, j'en ai plein partout. Vous êtes des amours, vous êtes des amours. Allez, on va commencer les plis puisque du coup le reste il n'y en a pas besoin. Donc voilà. Vous le savez, si vous n'avez pas le temps de le faire en direct, d'accord, vous retrouverez sur mon blog, après le live, la fiche technique, la vidéo, ainsi que tous les produits que j'aurai utilisés pour réaliser ces créations. Ok, donc pas de souci, ça marche, pas de pression. Alors, je commence avec mon morceau de 21,6 par 14 cm. Que je vais positionner sur mon coupe-papier pour venir faire des plis. Et je prends ici le 21,6 que je positionne en haut de mon coupe-papier. Nous avons 3 plis à faire. Potentiellement, je pense que c'est gérable. On est d'accord. Alors, on y va. Le premier est à 8,3. Hop. 8,3. Le second à 16,5. Et pour finir, le dernier à 19,1. Et voilà, ça va. Vous avez vu, j'ai été soft pour la fin de l'année, hein. On est toutes pressées, on est tous débordés, soit parce qu'on travaille, soit parce qu'on n'a pas fini Noël, de préparer Noël. Donc là, vraiment, j'ai fait soft, on est d'accord. 3 plis, Cathy a eu la gentillesse de vous les noter en commentaire. Donc 8,3, 16,5 et 19,1. Easy. Ça sera tout pour cette base de cartes. Je viens prendre mon deuxième morceau de papier, donc de 14 par 7,3. 3 plis, oh mon dieu, je vais pas m'en sortir. Dis donc Laurence, tu te moques là ou bien? Fais gaffe, hein. Je prends donc le second. Et lui, je vais venir lui faire un pli à 3,8 cm. Hop, je vais aller le caler de l'autre côté. 5, 6, 7, 8. Hop, c'est juste au bord de mon coupe-papier là. Voilà. Oula. Et voilà. Donc ça, c'est la partie qui viendra ici. Bon ben voilà, hein. Je crois que le reste, ça va être facile. Hein. Ok, on a fait l'essentiel de nos plis. Je vais mettre ça de côté, on n'en a plus besoin. Et maintenant, je vais vous donner les mesures pour le matage et le papier design. Alors, mon plioir. Je vais déjà marquer les plis. Voilà. Normalement, avec mon plan de travail, là, vous voyez plutôt bien. Hop. Alors, celui-là est emballé. Et celui-ci en montagne. Voilà. Voilà ce que va donner notre carte. Donc le grand pli montagne, vallée et montagne. Ça va? Tout le monde arrive à suivre? Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que nous faisons une carte à pliage originale très simple, mais très sympa, qui va donner ceci. Ok, on va faire la déco. Bien sûr, vous l'aurez compris, ça viendra se positionner comme ceci. Alors là, pour le coup, sentez-vous libre. Sur ma carte ici, je l'ai décalée un petit peu sur la droite. Je pense que là, pour une fois, je vais venir à peu près la centrer. Mais du coup, vous pouvez faire à gauche, à droite, vraiment faire exactement comme vous voulez. Coucou Émilie, ça va ma belle? Bon, t'es en vacances toi, ça y est? Alors, je vous donne les mesures pour les papiers. On va d'abord s'attaquer donc aux mesures de la carte ici. Il vous faut, donc je vous le disais, j'ai pris la super table de géomètre. Non, non, c'est de la récup de planches qu'on avait en stock. Des grandes planches qui font, je sais plus, 60 cm de large avec des grands pieds. Donc du coup, la table m'arrive à peu près aux hanches. Donc c'est l'idéal. Le papier de matage. Donc j'ai pris le papier cuivré que j'aime vraiment beaucoup. Il change du papier doré et c'est vraiment très sympa. Et du coup, vous allez voir pourquoi j'ai pris celui-là. Je l'ai pris en fonction de mon papier design, ça rend super bien. Donc, le premier mesure 13,5 par 7,8. Ce morceau va venir ici. Voilà. Le second. Ah, chouette, t'es en vacances. Ça, c'est cool. Oui, ça va. Plutôt pas mal dans l'ensemble. On s'accroche. Le second, 9,1 par 6,3. Celui-ci, le papier de matage qui va venir ici. Ok. Et il m'en faut un troisième. 13 par 1,4. Et lui, il viendra ici, sur l'avant, en fait, de notre petit retour. Voilà, qui viendra ici, comme ceci. Ok? Donc, je vais décaler ça. Je vais vous les mettre ici, pour être sûr que vous les ayez bien sous les yeux. Enfin, si j'arrive à rattraper le post-it. Crapouillot, t'es bien calme. C'était pas le cas l'autre soir. Hop, on a les trois papier matage ici. Le papier design maintenant. Alors, trois morceaux toujours. Et la galère recommence, plein de coupures. Oh ma petite Rachel, je suis vraiment désolée. Reconnecte-toi, je peux te conseiller que ça ma belle. Alors, pour cette petite bande ici, donc dont le matage fait 13 par 1,4. Hop. Nous avons besoin d'un morceau de papier design de 13 par 1,4. Ok, je vais le mettre ici. À mon avis, je me suis trompée de mesure. Oui, ici c'est 1,9 et pas 1,4. Autant pour moi. Donc le DSP fait bien 1,4. Ok. Ensuite, le second morceau qui va venir ici, et lui mesure 9,1 par 6,3. Le glaçage du pain d'épices. Je vois que tu as bonne mémoire, Héloïse. Alors, celui-ci, il va... Je pense que j'avais dû fumer la moquette au moment où j'ai fait mes post-it. Hein. Ça, c'est le papier design. Donc là, ce n'est pas 1, 6, mais 1, 8. Voilà. Heureusement que vous avez la fiche technique derrière. Ok. Et heureusement que je vous remets ça là correctement. Bien. Et pour finir, le papier design qui va venir ici, lui mesure, ah cette fois je me suis pas trompée, 13 par 7,3. Voilà, c'est pas comme si c'était écrit sur la fiche technique, que je l'avais sous le nez, hein. Ok, changement de programme, on a décidé d'aller au cinéma avec Zoé. Cécilia, t'as bien raison, va au ciné. Vous allez voir quoi du coup? Et lui, il va ici. Voilà, vous avez les mesures qui correspondent, papier design, matage, etc. Ok? Bon, bah là, je n'ai plus qu'à les coller ensemble. Donc là, rien de compliqué. Du coup, joyeux Noël, Cécilia. En attendant, pendant que je colle tout ça, dites-moi, vous avez commandé quoi au Père Noël? Racontez-moi. Qu'est-ce que vous avez demandé au Père Noël? On parle pas des enfants là, hein, on parle de vous. Hein. Vous avez commandé quoi? Ah, je m'en doutais, Cécilia, que t'allais voir ça. Comment on prononce déjà? Encanto de Disney. Hop. Ah, Héloïse, tu l'as vu, toi, t'as aimé, c'est cool. Cathy, t'as rien demandé au Père Noël? Mais comment ça? Mais comment ça? Il faut toujours demander quelque chose au Père Noël. Hop. Ouais, mais enfin, du coup, t'as des cadeaux quand même. Hop. Je vais essayer de coller ça droit. Voilà. Hop, hop, hop. Merci Rachel, c'est gentil ça. J'ai besoin de vacances. Oui, j'ai besoin de vacances. Je sais pas si je vais réussir à en prendre totalement, mais. Evelyne, t'as demandé du papier Stampin' Up. Oh, oh, oh. Petite coquine. Accessoires de robot Kenwood. Oh, le kiff ça. Oh. Oh, Cathy, tu devrais te faire plaisir de temps en temps quand même, hein? Il n'y a pas de raison. Hop. Ok, tout ça c'est collé. Maintenant, je vais pouvoir ajuster. Voilà. Ça ressort bien avec le papier cuivré. Cuivré. J'ai quelques problèmes d'élocution, n'est-ce pas? Cuivré. Je sens que Dream Dream, quand elle va regarder le replay, va se moquer de moi. Hop. peu là, je viens coller ça. Voilà. Ça te plaît, hein, Cathy? Je m'en doutais. Qu'est-ce que j'ai demandé au Père Noël? Alors, moi, ce que j'ai demandé au Père Noël, en plus d'être passionnée de scrap, non, j'ai pas encore arrosé Noël. Non, mais dis donc, Martine, s'il te plaît. Tu vas me faire passer pour quoi, là? Je ne bois pas. Enfin, encore moins en pleine journée. Hein. Oui, en plus de ma passion du scrap, en fait, j'ai une autre passion, c'est que j'adore, je suis un peu geek, j'adore la technologie, j'adore les téléphones qui ont tout un tas de fonctionnalités, qui font des photos magnifiques, j'adore les gadgets en tout genre, j'adore Là, je rêve de... Comment ça s'appelle? Des écouteurs sans fil, d'une marque que j'adore, de mon téléphone. D'une montre connectée aussi, j'en rêve. Voilà, il y a pas mal de choses qui me font très très envie. Maintenant, on va attendre que le Père Noël soit passé pour savoir. Non, elle a mangé le gâteau avec le glaçage. Non mais dis donc, la journée de machin là, c'était hier la journée mondiale. Hein, c'est plus aujourd'hui. Pour l'intérieur de ma carte quand même, revenons à nos moutons, parce que les nouvelles personnes qui nous rejoignent, ils vont nous prendre pour des fous. Hein. Je vous rappelle qu'on n'est pas sur le zoom des VIP. Un morceau de papier blanc de 13,5 par 7,8. On va tout simplement venir coller à l'intérieur. Et si vous avez une petite chute de papier, vous pouvez très bien venir la coller en haut, en bas, sur les côtés, peu importe, comme j'ai fait ici, pour pouvoir lui donner une petite touche supplémentaire de déco. Et les écouteurs, oui, parce qu'en fait, il y a une chose qui fait entièrement partie de ma vie au quotidien. Une chose dont je ne peux pas me passer. Ou là, si on me l'interdisait, je pense que je deviendrais cinglée. C'est la musique. Je ne peux pas me passer de musique. Le silence complet, total, me rend dingue. Oui, c'est ça, Cathy. C'est ça. Je peux pas m'en passer, c'est impossible. Alors, soit avec mes écouteurs, soit avec mon enceinte, mais la musique, dès le matin jusqu'à ce que je me couche, il faut qu'il y ait un fond de musique. C'est pas possible autrement. Vraiment, mais je vous jure. Mais j'écoute de tout. Hein. J'ai des goûts très 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 variés. Oui, je sais que tu me connais. J'ai des goûts très éclectiques. J'ai des périodes selon mes envies, mes humeurs aussi, mes émotions. Mais vraiment, c'est quelque chose où ça fait partie intégrante de ma vie. Je crois que je l'ai transmis à mes enfants aussi, parce que ce qui est drôle, c'est qu'ils écoutent un peu de tout, mes enfants. Même mes ados, ça leur arrive, je les entends, de mettre du Aznavour, par exemple. Bon, à côté de ça, on a Damso et tout ce qu'on veut, mais parfois, ou Aretha Franklin aussi. Donc ça, c'est assez cool. Alors, quand même, revenons-en vite fait à la carte. Maintenant que j'ai monté tous mes papiers de matage et design, hop, je vais venir positionner ce petit rabat supplémentaire ici. Donc moi, cette fois, j'ai décidé de le centrer. Hop. Donc je le positionne et je vais tout simplement venir mettre de la colle ici, juste au bord. Voilà, pour venir le maintenir à l'arrière de ma carte. Louise est fan de Renault, tiens, ça m'étonne pas ça non plus. Hop, et maintenant je vais pouvoir venir, j'ai du mal à être dans le champ, hein. Venir coller, pareil, je vais mettre une bande de colle ici pour venir maintenir à l'avant, juste au bord. Hop. Donc je le fais en fonction de la fermeture pour être sûr. Voilà. Donc là, je vais mettre juste un filet de colle cette fois. En le disant, je me suis dit, mauvaise idée, t'as pas changé ton tube, il doit être vide. Et bah tiens, la blague. Allez! Non, hein, il faut pas. Hein. Ah, je sais ce que je vais prendre. Là. Hop. Elle peut être aussi en porte-menu. Ouais, ouais, carrément bonne idée, ça. Hop. Voilà. Et du coup, je viens coller ça. Voilà. Ou un porte-photo. Ouais, j'adore quand vous avez plein d'idées comme ça. Encore, encore, encore. Je prends. Vous le savez. Hop. Ah oui, alors c'est l'inconvénient de la colle de précision. J'oublie toujours qu'elle est un petit peu plus longue à coller que la Tombow. Donc on va tenir. Voilà. Je vais la laisser tranquillou coller. Je vais refermer avant que ça se bouche. Et du coup, il me reste ma partie déco. Alors, j'ai fait exactement le même principe que pour la première, mais avec le cuivré. Donc, Cathy, t'as vu, j'ai embossé avec la poudre à embosser cuivré. Le papier, pareil, c'est le cuivré. Hein. J'ai changé, je suis pas partie sur le doré, mais bien sur le cuivré. C'est trop beau. C'est top, hein? Il n'y a pas grand chose pourtant, on est d'accord. Hein. Il y a 2 découpes, un tamponnage et voilà. Et donc là, lui, il va venir ici. C'est pas mal comme carte à recevoir pour la nouvelle année, non? Vous trouvez pas? Allez-y, c'est parti, je vais coller ça. Hop, on va centrer. Voilà. En plus, par rapport à mon matage, j'ai moyen de centrer, ça tombe pile poil. Je fais attention à mon sentiment. Et voilà. Yes. Pour bien embosser à chaud l'astuce. Alors, la meilleure des astuces, c'est déjà dans un premier temps de fabriquer un petit coussinet avec par exemple de la maïzena dedans. C'est en fait ce qu'on avait avant, l'embossing buddy, mais ça se fabrique. Si tu peux faire quelques petits points de couture, c'est top. En fait, dans un petit tissu, tu fabriques un petit sachet et tu mets de la maïzena dedans. Et tu tamponnes en fait avec ça ton papier que tu vas embosser ensuite. Okay. Ça permet tout simplement de retirer l'électricité statique de ton papier et du coup d'avoir le problème de la petite poudre qui va se disséminer un peu partout. La deuxième chose, c'est effectivement, comme le dit Cathy, d'avoir du bon matériel. Ce qui veut dire VersaMark, parce qu'il y a plein d'autres marques de poudre, d'encre transparente, mais qui ne fonctionnent pas bien. Et Cathy peut en témoigner, en attester. Donc la VersaMark, elle est vraiment géniale. Et pareil, des bonnes poudres à embosser très fines. Donc là, chez Stampin' Up, elles sont vendues par 3. Donc on a l'argentée, la dorée, la cuivrée. Et on a noir, blanc. Et j'ai un trou de mémoire sur la troisième. Noir, blanc. Et c'est une neutre aussi, mais je ne sais plus quelle est la couleur de la troisième. Mais donc du coup, voilà, elle fonctionne par 3. La poudre est vraiment très fine. Et ça permet qu'elle adhère bien à la VersaMark. Et avec le pistolet chauffant, elle chauffe super bien. Donc ça fait un super rendu. Voilà. Là, clairement, la VersaMark, la poudre à embosser cuivrée, le pistolet chauffant. Et tu vois, le résultat est vraiment nickel. Il n'y a pas de souci. Oui, et transparent aussi, bien sûr. La VersaMark, si tu veux faire dans les couleurs... C'est ça, c'est la poudre transparente. Merci, oui, merci. En effet, la poudre transparente, ça permet aussi de faire de l'embossage de différentes couleurs. Donc, on trempe d'abord le tampon dans la VersaMark, ensuite dans les encreurs de couleurs, n'importe laquelle, d'accord? Et pas l'inverse, parce que sinon, on tâche nos encreurs VersaMark. Ça paraît logique, mais parfois, il suffit d'une boulette et puis c'est fichu. Donc, VersaMark, tampon encreur de couleur, on tamponne sur notre papier et ensuite on met la poudre transparente. Et du coup ça permet d'avoir des sentiments embossés donc en relief mais de plein de couleurs différentes. Donc ça c'est vraiment le must pour l'embossage. Ah merci Cathy, Cathy vous a mis les références des poudres à embosser. Voilà, voilà, on a fait nos deux cartes. Bon, vous avez vu, c'était très simple. Du coup, Héloïse, j'espère que j'ai réussi à répondre à ta question et que ça t'a aidé. Je suis désolée, j'ai eu un coup de stress. Alors, pour la petite histoire, au-dessus de mes caméras, j'ai une vitre qui donne sur le garage. Et en fait, j'ai levé les yeux, j'ai vu la tête de mon fils. Tu m'as fait trop peur. T'es pas gentil, hein? Je devrais venir ici pour te faire pardonner. Viens! Voilà. Mon Dieu, j'ai levé les yeux, j'ai vu juste sa tête au-dessus de moi. Viens là! Aïe, je me suis fait mal au dos en plus avec tes bêtises. Viens là! Viens montrer ta tête, toi qui m'as fait peur. Viens là! Dis coucou! C'est lui qui m'a fait peur, ce grand machin là. Je te répondrai après. D'accord? J'ai presque fini. Bisous mon chéri. Ah. Voilà, voilà. Bon, bah du coup, hein, vous aurez eu la totale. Vous aurez vu pratiquement tous mes enfants. Il manque le grand. Mais bon, le grand, d'abord, il passera pas au-dessus de la caméra. Et puis là, il travaille. Voilà. Oui, alors non, bah, il n'allait pas rester aussi longtemps que les filles. Hein, faut pas rêver. Hein. Bon, dites-moi, est-ce que ces cartes vous ont plu? Et est-ce que vous... Bon, ça va, elles étaient faciles, on est d'accord. Je vous les remontre là. Hop, la version Jardin d'Éden et la version Éloquence Simple. J'essaye de... Voilà. Bon, vous avez vu, hein, c'est pas compliqué. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début, je vous rappelle que je lance un petit jeu à l'occasion de ce dernier live de l'année 2021. Je vous lance le défi de réaliser à votre tour cette carte. Dans un premier temps, de la partager sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Insta, comme vous voulez, sous le live ou sur vos profils, sur votre page, peu importe, avec le hashtag Harmonyscrap. Dans un second temps, de me l'envoyer par mail, harmonyscrap@harmonyscrap.fr. Et je ferai un tirage au sort parmi les participations que j'aurai reçues uniquement par mail. Et je vous fais gagner la perforatrice Branchette. Voilà, voilà. J'espère que vous allez être nombreux et nombreuses à participer. Si vous regardez ce live en replay, vous pouvez aussi participer. Vous avez jusqu'à jeudi 20 h pour m'envoyer vos créations. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Merci Cathy, merci Mumu. Marthe, je ferai un replay parce que du coup j'ai raté. Pas de soucis Marthe, il n'y a pas de problème. Il est timide, oui il est timide. oui il est timide. Merci Evelyne, bon bah, je suis contente que ça vous plaise. En attendant j'ai hâte de recevoir toutes vos créations. Quel que soit le thème que vous allez utiliser, peu importe. Voilà, le principal c'est de se faire plaisir en faisant une petite création. Et puis pourquoi pas avoir la chance d'être tiré au sort pour un petit cadeau de fin d'année. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ça y est, on a la dernière ligne droite pour Noël. Je suppose que tout le monde est impatient. En tout cas, celles et ceux qui peuvent en profiter, même une journée, prenez soin de vous, faites attention à vous. C'est important. Quoi que vous fassiez, quelles que soient les personnes avec qui vous soyez, ou même tout seul, profitez-en et prenez soin de vous parce que vous êtes les personnes les plus importantes pour vous-même. Et si vous vous prenez pas soin de vous, il n'y a pas grand monde qui le fera à votre place. On est d'accord. Ça marche. Voilà, le dernier live de l'année 2021 touche à sa fin. On va se retrouver le 5 janvier. Le mercredi 5 janvier à 14 h. Donc vous le savez, ça ne sera pas un live créatif, enfin pas comme on en a l'habitude d'avoir. Ça sera les portes ouvertes virtuelles pour la découverte de plein de créations du mini catalogue que je suis en train de vous préparer. Un ou deux petits jeux aussi, des choses à gagner bien sûr, des créations, des produits, voilà, un bon moment. J'espère que vous serez là, que vous partagerez ce moment avec moi, et donc du coup vous inquiétez pas, il y aura le replay si vous ne pouvez pas vous rendre disponible. D'ici là, vous verrez, je vous ai préparé encore des surprises d'ici la fin du mois. Un nouveau challenge mensuel qui va démarrer le 2 janvier, une autre petite surprise, une nouveauté pour l'année 2022. Bref, continuez à me suivre sur mes réseaux, vous aurez toutes ces infos, soit par la newsletter, soit sur la page Facebook ou encore le blog harmonyscrap.fr, où je vous invite à aller d'ici quelques minutes si vous voulez retrouver la fiche technique et la liste des produits utilisés pour le live d'aujourd'hui. Merci Marie-Christine, Marthe, Jacques, Martine, joyeuse fête à toi aussi. Merci Mumu, c'est trop gentil. Merci Evelyne. Oui, Louise et Romane, je vous fais de gros bisous les filles. Prenez bien soin de vous, hein. On est bien d'accord. Merci ma Fabienne, merci Laurence. Qu'a-t-il la chasse au trésor? Je ne sais pas. Peut-être, mais différemment. Coquine. Opération cataracte, Martine. Oh là là là, je suis désolée. Eh bien, il faudra les garder sous le coude pour après. Ça sera la récompense. Bonjour Sylvie, je suis désolée, on arrive à la fin du live. Mais il y a le replay, donc pas de problème. Voilà, je vous embrasse vraiment tous et toutes très fort. Mille merci pour toute cette année qui vient de s'écouler. Je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui sans vous. Vous êtes tous très chers à mon cœur. Merci pour tout. Profitez bien de ces belles fêtes. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous l'année prochaine avec toujours autant d'amour et de bienveillance. Et bah, vous me manquez déjà. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Ciao tout le monde.